jusqu'à 18h, Laurent Ruquier et les grosses têtes sur RTL. Toujours avec Caroline Diamant, Laurent Baffy, Philippe Gueluc, Florian Gazan, Jean-Jacques Perroni et Michel Drucker. Michel qui s'y met, hein, je dois dire. Vous devenez une vraie grosse tête, Michel. Vous faites des jeux de mots, vous répliquez à Laurent Baffy. Non, mais je savais que j'allais disjoncter. Vous insultez les auditeurs. Vous mettez des mains au cul à Caroline. Mais bien dans l'ambiance. Ça, on avait dit qu'on le dirait pas. Une question pour monsieur Ababou qui habite Austin. Il y a une chanson sur lui. C'est au Texas, ah oui. Ababou. Mister Ababou, je devrais dire. Il est au Texas, il doit nous écouter en podcast. Et voici la question. En 1964, deux dimanches furent raccourcis. Pourquoi ? Quel mois c'était ? Comment ça, quel mois c'était ? 64, mais c'était... Le mois. Ok, j'ai compris. C'est pas des vrais dimanches. Elle est maligne. C'est des animaux. C'est le premier essai de la couette à manches. Et ils ont fait la version été. C'était les manches longues, c'était les manches courtes. Ouais. En 1964, deux dimanches furent raccourcis. Ah, c'est une naissance de jumeaux chez un rabbin ? Non. Est-ce que ça a à voir avec la tournée des Beatles ? Du tout. Ça n'a pas à voir avec une chanson ? C'est aujourd'hui dimanche ? Non. Et ils l'ont fait plus court ? Non. Alors, il n'y avait que neuf manches. Alors, non. On a baptisé quelque chose dimanche ? Oui, c'est Sunday. Mais ça, c'était avant 64. Ok, est-ce que les deux choses... Et en 64, deux dimanches furent raccourcis. C'est dans une chanson anglaise. Non, est-ce que ces deux dimanches qui ont été raccourcis sont identiques ? Oui. Voilà, donc déjà, c'est important. C'est parce que j'ai l'air con comme ça, mais je réfléchis. Elle a l'air con comme ça, mais elle l'est vraiment. Le Sunday fraîche chez McDo. Pas du tout. En 64, hein. 1964, deux dimanches furent raccourcis. Est-ce que c'est un film ? C'est des films qui pas ont du été... Tout. Ça est-ce que en ce France sont des animaux de qui est que à qui on aurait coupé quoi ? Attendez, ouais. Si tu mets des « e » au milieu de tes phrases, ouais. Ça ne fait pas des questions plus ça longues. Ça n'a concerné que les États-Unis. Non, c'était en France. C'était en France. Et ça concerne un domaine de l'art ? De l'art, non, on ne peut pas aller jusque-là. Est-ce que c'est genre... Un pont ou deux ponts jumeaux qu'on a appelé dimanche non, et qu'on non, a non, non. Ce sont des êtres vivants qu'on a appelés dimanche. Pas du tout. On n'a pas raccourci deux émissions de Vivement Dimanche. Non. Est-ce que ce sont des personnages de fiction ? Non plus. Ça a à voir avec la radio ou la télé ? Non plus. Pas le cinéma. Est-ce que ce sont des objets de fiction ? Des objets de fiction ? Non. Est-ce que c'est religieux ? Non. C'est un rapport avec la coiffure ? Ah, c'est marrant, j'étais persuadé que vous le saviez. Hein. C'est France Dimanche qui a été. Ils ont changé le format. Du tout. Qui les a raccourcis ? Oh, c'est les deux derniers condamnés à mort. Ils s'appelaient Dimanche, tous les deux. Et on les a raccourcis. On les a raccourcis d'une tête. Oh, je prépare le chèque de 300 euros pour monsieur Ababou. Non, ça n'a pas rapport avec le cinéma. Je sais, Laurent, j'ai une question importante. Est-ce que ces deux dimanches ont été raccourcis le même jour, au même moment ? Oui, ouais. On peut vraiment... Ah non, c'est le dimanche. Le dimanche, c'est aussi le nom qu'on donnait à l'argent de poche. Tu me donnes mon dimanche. Ah oui, c'est vrai. Et on, ah ben aujourd'hui, t'auras moins. Est-ce que c'est lié à la chanson ? Quelle chanson ? C'est aujourd'hui dimanche. Non, mais une chanson. Moi, j'en connais une autre. Tous les dimanches, moi, je mastique le manche. Ça vaut bien mieux que d'avoir mal à la queue. Pom, 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 non, ça n'a aucun rapport avec ces chansons. Tu la connaissais, Michel ? Non, c'est un titre d'un journal. Attendez. Moi, ce qui me ferait plaisir, Michel, que pour la première fois sur RTL, oui, vous interprétiez cette chanson. Ouais. Ah oui. J'ai pas tout compris de la chanson. Mais il va vous la répéter, Jean-Jacques. Attends, qu'est-ce que tu as dit ? Tous les dimanches. Je mastique le manche. Ça vaut bien mieux. Ça vaut bien mieux. D'avoir mal à la queue. Non, je peux pas, là. Et tu Jean, t'as jamais mal à la queue, Michel. J'ai fait un effort, quand même. Il y a des limites, quand même. Hein. Alors, dites mes deux dimanches, là. C'est un titre d'une publication qui a été raccourcie. Non. C'est lié à une chanson, alors. Non. En 64. Pourquoi 64 ? C'est parce que c'est une décision qui a été prise par quelqu'un. Politique. Politique. Non. Mais il y en a deux qui ont été raccourcis. Mais il y en avait-il beaucoup plus de dimanches ? Ah oui, mais c'est par deux, en fait, que ça se passait. C'est des noms propres ? Des noms propres. C'est par deux que ça se passe. C'est un produit. Oui, c'est un produit. Manufacturé ? Manufacturé, oui, on peut appeler ça manufacturé. Ça se mange ? Non. Un dimanche. Ça se mange pas, mais... Un produit d'entretien ? Non.
des outils. Des outils? Quel genre d'outils? Bah, je cherche. Des baleines? Des baleines, non. Des outils avec des manches? Des outils pour le jardin? Non. Oui, 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 oui. Est-ce qu'il y a oui, un oui, manche? Est-ce qu'il y a un manche? Non, c'est rien à vous. C'est pas les hosties, parce qu'on les, on les mange que le dimanche? Des vêtements? Alors, c'est du domaine, on va dire, en tout cas, de l'accessoire. C'est des uniformes? Des jupes? Des jupes, non. Des uniformes? Oh là, il vous reste 15 secondes. Des parapluies? Des parapluies, non. C'est la robe du curé? La robe du curé. Expliquez-moi. Eh ben, il porte une soutane. Qui s'appelle le dimanche. C'est un vêtement militaire. Pas du tout. C'est un vêtement militaire. Pas du tout. C'est les mini-jupes. Non plus. Est-ce que c'est la canne? Oh, on a perdu. En 1964, sous les conseils de Marcel Bustin-Blanchet, le président et fondateur du groupe Publicis, la marque Dimanche. Les Badim. Les Badim. Marque des célèbres bas. Les bas Dimanche, raccourcit son nom et devient les bas Dim. Ils étaient les bas Dimanche. On ne badime pas avec l'amour. Les bas Dimanche jusqu'en 1964 et sont devenus les bas Dim à partir de cette année-là. De Dimanche, ils sont passés à Dim. On a raccourci de Dimanche la paire de bas, des bas Dimanche qui sont devenus les bas Dim. 300 euros pour notre auditeur, monsieur Ababou. On est content pour lui. Bon. Oui, on est content.